On va prendre un passage rapidement dans le livre, je ne le sais pas encore, Dieu seul le sait. Ça commence pas par on prie, c'est vrai, mais on essaie de prier, mais se préparer à l'avance. J'arrive pas à préparer les enseignements à l'avance. Alors on va prendre 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Or, pour ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et comme Dieu, et se proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps, car le mystère de l'iniquité opère déjà. Il faut seulement, car le mystère de l'iniquité opère déjà, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Waouh! On s'arrête là. Mes amis, je voudrais rapidement parler de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour pour la vérité. Croire en la vérité n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Non. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. D'abord, Jésus dit dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et vous savez, dans le monde, on dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire. » N'est-ce pas? Et beaucoup, à cause de la persécution, qu'ils soient chrétiens ou païens, vont chercher des contours, des détours pour ne pas dire les choses ouvertement. Donc, beaucoup vivent dans l'hypocrisie. Ils font semblant d'être d'accord, mais alors qu'ils ne le sont pas. Et ils vont parler, ils vont murmurer, ils vont critiquer, ils vont combattre, ils vont te jalouser. Pourquoi? Parce que le monde nous apprend à être hypocrite. Hypocritas en grec, c'est-à-dire jouer un rôle. Et c'est terrible. Beaucoup sont amenés à jouer des rôles. Et si vous regardez bien dans le monde, c'est ce que le monde nous apprend. J'ai parfois des frères viennent nous voir, ils nous disent écoutez, on a été faire des démarches administratives, comme un jeune couple. Elle s'est convertie il y a pas longtemps, les deux se sont convertis il y a moins d'un an, enfin moins d'un an et demi. Ils ont été à la mairie pour faire des démarches par rapport à leur mariage. Et la sœur me disait à la mairie, on lui dit en fait, non, mais en fait, vous pouvez mentir, tout ça, pour avoir rapidement les papiers. Elle dit non, je suis désolée, madame, je suis chrétienne. La dame était comme ça, dépassée, étonnée. Et vous savez, quand vous voulez avoir votre passeport, ça ne va pas sortir rapidement, tout ça. Elle a dit, non, je suis désolé, je dois dire la vérité. Et elle a dit la vérité, elle m'a dit, son passeport est sorti, le passeport de sa fille, plus tôt que prévu. Vous voyez? Tout est fait pour que l'on soit dans le mensonge. Fausse déclaration par rapport aux impôts. Vous voyez? Par rapport aux assurances. Tout est fait, le monde est basé sur le mensonge. Beaucoup construisent leur vie sur le mensonge. Et ils sont convaincus en plus qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans le mensonge. Ils
ils se mentent à eux-mêmes. Et la vérité, c'est d'abord Dieu. La vérité, c'est aussi, comme vous le savez, le contraire du mensonge. La vérité, qui est le contraire du mensonge, est cette lumière qui vient, n'est-ce pas, exposer nos cœurs, les intentions de nos cœurs, les motivations qui nous animent. Et je vous assure, les personnes qui aiment la vérité, les personnes qui vivent la vérité, qui, n'est-ce pas, proclament la vérité, ces personnes-là sont blessées, rejetées, et calomniées, et critiquées. Ça a toujours été comme ça. Le premier à avoir accepté la vérité dans la Bible, le premier homme, bien sûr, c'est Abel. Il a fini comment? Il était persécuté par qui? Son propre frère. Qui lui était dans le mensonge. Qui lui était un religieux. Qui offrait des sacrifices à Dieu, oui. Mais ses œuvres n'étaient pas bonnes selon 1 Jean 3:12. Au point de jalouser son propre frère. Qui sont ceux et celles qui vont te combattre, qui nous font le plus mal? Ce sont des gens qui sont proches. Pourquoi? Parce qu'un jour, on a eu le malheur, selon eux, de leur dire la vérité bien comme il faut, en disant non, on ne veut pas de mensonge. L'amour de la vérité, ça se reçoit. Et on nous dit, hein, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous savez, l'homme est enclin à croire plus au mensonge qu'à la vérité. Et c'est terrible. Et tout est fait pour nous faire gober n'importe quoi. Avec Internet, avec mes amis. Moi, j'ai vu cet article déjà sur moi, mais ceux qui ne te connaissent pas ne me connaissent pas. Ils vont dire, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. Vous avez vu? Mais c'est terrible. Mais vous savez, il y a des gens que les médias tuent. Le mensonge. À cause de notre prédisposition, n'est-ce pas, à pécher, la chair humaine est prédisposée au mal. À cause du péché d'Adam et Ève. Donc du coup, on va plus croire au mensonge qu'à la vérité. Au point où il y en a qui vont enseigner en disant, ici en France, que vous savez, comme à l'époque d'Hitler, eh ben, ceux qui cachaient les juifs, non, ils ne pouvaient pas mourir. Ils vont dire, non, mais vous savez, ceux qui cachaient les juifs, là, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il y en a qui vont enseigner la parole en disant la vérité, en disant, eh ben, moi, si c'était moi, et qu'on me demandait si je cachais les gens, j'allais mentir. Mais je suis désolé, le mensonge, c'est le mensonge. Voilà. Ah mais Rahab a menti, ils vont enseigner. Ils vont se servir de la Bible pour asseoir une doctrine qui encourage les gens au mensonge. L'heure est grave. Aujourd'hui, ceux qui veulent aller au ciel, moi ce que j'ai compris, hein, ça c'est ma lecture sur ce qui se passe dans le monde. Ceux qui veulent aller au ciel doivent éviter même nos assemblées. Ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. C'est pour cela qu'on encourage les gens à avoir un culte familial. L'homme, la femme et les enfants, d'abord. Parce que beaucoup ont découvert la vérité étant chez eux. Ils ont adhéré aux assemblées, ils sont devenus pires qu'avant. Je ne dis pas que toutes les idées sont comme ça, mais il faut bien vérifier. Il faut bien discerner. Parce qu'on veut que vous soyez dans le moule, que vous ayez le même langage que tout le monde. La vérité. Entendre la vérité est une chose, mais accepter de l'appliquer à soi, sur sa vie, de marcher dans cette vérité, c'est une autre. Et là, ça implique le rejet, ça implique la persécution, ça implique toutes les conséquences liées à l'acceptation de la vérité, voire même la mort. Et il faut être prêt. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et la parole nous dit que son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité par excellence. Alléluia. Vous voyez mes amis, acceptez la vérité. Vous savez, aujourd'hui, dans le christianisme actuel, la chrétienté actuelle, ça a toujours été comme ça malheureusement, mais ça devient pire. Dire que Dieu n'est pas trinitaire, mais c'est s'exposer à toutes sortes d'attaques.
vos Bibles. Il n'y a même pas un seul verset qui dit que Dieu est trinitaire, que Dieu est trinité. Ça n'existait même pas. Mais pourtant, cette doctrine est devenue, comme vous le savez, le socle, le fondement du christianisme. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est grave. Un pasteur à Kinshasa, que tout le monde adulait, que tout le monde, n'est-ce pas, tout le monde disait de lui, c'est le meilleur prédicateur. Lui vraiment là, c'est bon, c'est le... Et ce monsieur, il y en a qui ont suivi son témoignage, moi également, m'a envoyé le lien d'une vidéo qu'il a faite, où il disait comment Jésus lui est apparu et le Seigneur voulait le tuer. Vous voyez? Et... Seigneur, sauve-nous. Et je vais beaucoup encourager cet homme. Et il dit que s'il mourait là, il allait partir en enfer. S'il mourait, il partait en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique. Il y avait ses photos partout. Il croyait, il vendait ses livres. Alors que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là, aujourd'hui, il a accepté la vérité. Je crois que bientôt, il va commencer à dénoncer la dîme. Et vous savez ce qu'il dit maintenant? Il dit, tout son entourage pratiquement là, l'abandonne. Ah ah. Voyez la séparation? La vérité est l'épée de l'esprit qui engendre la séparation, je dirais des séparations. Voilà ce que la parole nous enseigne, frères et sœurs. Alléluia. Préparez-vous. Ah oui. Quand le Seigneur m'a dit, vous savez, j'étais pasteur d'une église de 700 personnes, plus de 700 personnes à Paris, avec un grand bureau, un grand homme d'affaires. Je croyais servir Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Quand Dieu m'a dit, montre-moi dans les Écritures où Paul a pris la dîme de quelqu'un. Alors que je ne prenais même pas la dîme des gens, hein, chaque mois. Je n'avais juste que 500 euros de salaire avec des fiches de paye au nom de l'Église. On payait l'URSSAF. Et Dieu m'a dit, montre-moi dans la dîme où il y avait un pasteur salarié. Et que les frères et sœurs devaient donner un salaire chaque mois. J'ai vérifié. Je dis, mais c'est vrai, Seigneur, il n'y a pas. La vérité. J'avais parlé à mes collaborateurs, j'en avais beaucoup. J'avais un paquet que j'ai formé. Plus de 200 prédicateurs. Ah, frère, attendez. Il y a la souffrance, là. Parfois, je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi, là? Tu mettais des gens dans la barque, tu ne peux plus faire marche arrière. Ça chauffe. Je ne me cache pas. On vérifie, on dit Seigneur, mais oui, mais je crois qu'il dit, mais vérifie, le Seigneur était là comme s'il croisait les bras, il regardait, il attendait. Je dis, mais effectivement, il n'y a aucun verset. Seigneur, mais oui, mais là tu as dit qu'il faut, c'est toi qui nous nourris, hein, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, c'est vrai. Autre chose. Le Seigneur dit, regarde dans la Bible, Matthieu 18, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le, en parlant du pouvoir pour prêcher, chasser les démons, tout ça, évangéliser. Il dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On a vérifié. Oui, Seigneur, mais tu sais, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça coûte cher. Tu sais, il faut produire les livres, il faut... Oui, mais oui, mais si je donne une vision, je donne aussi les moyens. Amen. Ah. J'en parle à mon entourage, je dis, aïe, c'est vrai, mais... Je dis, mais quoi, mais là? Ça vient d'où le mais, là? C'est écrit ou pas? Il s'est dit, oui. Il a dit, comment allons-nous faire pour vivre? Je dis, Jésus a dit dans Matthieu 6, les oiseaux, les corbeaux ne travaillent ni ne sèment, mais pourtant Dieu les nourrit. Alléluia. Et frère, ça a fait un tour, hein, dans la tête. Ils se sont dit, donc nous, si on, nous qui chantons, nous qui sommes appelés à faire des CD, à faire des concerts payants, donc ça veut dire que tout notre vision s'écroule. Les attaques après là. Mon Dieu. Ah,
Ah, on le connaît, on était à côté, on sait ce qui se passe à l'intérieur, vous savez quoi? J'attends depuis des années. Quoi? La vérité, le prix à payer. L'amour. Je vous dis, si je n'avais pas reçu un tout petit peu d'amour pour la vérité, je ne vous dis pas que j'ai tout reçu, attention, j'allais abandonner. Je ne vous cache pas. Il y a des prédicateurs qui ont reçu la vérité et qui ont commencé à la prêcher. Il y en a qui sont finis, qui ont fini, pardon, alcooliques, comme A.A. Allen, un grand homme de Dieu aux États-Unis. Alcoolique. Qui sont ceux qui l'ont tué? Un journal chrétien qui commençait à dire, à attribuer les miracles extraordinaires que Dieu opérait par cet homme. Allez vérifier sur YouTube. A.A. Allen. Un grand homme de Dieu. Que Dieu a ressuscité. Dans les années 40-50, un journal chrétien pentecôtiste a commencé à attribuer tous ces grands miracles à Satan. Et il n'a pas tenu. Et il prêchait Christ. Oui, il n'avait pas tout l'éclairage, il vendait ses livres. Mais il était, c'est un homme, on sentait qu'il aimait les âmes, qu'il aimait le Seigneur. Il est devenu alcoolique. Il est mort alcoolique. Parce qu'il n'a pas supporté. Nous voyons des gens, des chrétiens. Hier, ils ont dénoncé le péché sexuel. Ils ont dénoncé l'impudicité. Ils ont dénoncé le mensonge. Ils ont dénoncé Babylone. Mais à cause de la persécution, vous savez, une des conséquences de la vérité, de l'acceptation de la vérité et de la prédication de la vérité, une de ses conséquences, vous savez ce que c'est? La solitude. Et beaucoup ne veulent pas être seuls. Et ils se compromettent. La vérité dérange. Les hommes, des hommes luttent avec la vérité, ils luttent. On dit, mais c'est écrit. Ils disent, mais oui, mais moi, mais c'est là, c'est écrit. Non. La vérité. C'est pour cela que Jésus a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais il parlait aux gens qui connaissaient la loi. Il parlait aux gens, ce n'étaient pas des païens, c'était des croyants. Il parlait aux gens qui croyaient en Abraham, en Isaac et en Jacob, qui croyaient en Moïse, qui avaient la Torah, qui la lisaient chaque Shabbat, chaque jour. Et il leur dit, vous n'êtes pas libres. Ils disent au Seigneur, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. C'est grave. La vérité. Donc, ça veut dire quoi? Pour croire en la vérité, le message du temps, le retour à la parole, pour croire que Jésus revient, comme les Écritures le disent, comme les événements mondiaux les confirment. Guerre, vous avez vu le nombre de guerres qu'il y a actuellement? Vous avez vu les troubles? Regardez l'élection présidentielle en France. Vous avez vu? Aucun candidat pratiquement n'est net. Tous ont des casseroles. Vous avez vu? Des dossiers sortent. Ah ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes amis, là, le monde est prêt à recevoir l'homme impie, l'antichrist. Vous avez vu les guerres? Aux portes de l'Europe, il y a la guerre qui se quisquait. On est dans la troisième guerre mondiale. Ça, c'est la vérité à entendre. Beaucoup ne veulent pas l'entendre. Le terrorisme, vous avez vu le plan Vigipirate pirate? Vous avez vu que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit partout. Vous avez vu, mes amis, ces militaires partout. Heureusement que le Seigneur, mes amis, a établi des autorités aussi pour veiller sur nous. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais on est dans cette troisième guerre mondiale. On y est. Et nous tendons vers la guerre d'Armageddon. Parmi les Russes, ils ont fabriqué des missiles. Il y en a un qu'ils ont nommé Satan 2. Avec un seul de ce missile-là, largué sur la France, eh bien, mes amis, toute la France peut être détruite en un instant, en un clin d'œil. Fini. Rasé. Un seul missile. Et vous savez combien d'ogives la Russie possède? D'ogives nucléaires? Près de 9000. Les États-Unis, 8500. La France, 300. L'Angleterre, 300. L'Inde, 250. Le Pakistan, 50 à peu près. Israël, c'est pas précisé. La Corée du Nord également. Vous avez vu, mes amis? À tout moment, ça peut péter. Vous avez vu le Boko Haram en Afrique? Vous avez vu les Chebabs en Afrique? Vous avez vu en Afghanistan, comment les talibans? Et ici, les terroristes, tout peut péter, tout. Vous avez vu, mes amis? Des chaînes qui s'explosent, vous avez vu, au Cameroun, mais ça pète de partout, au Congo, dans l'est de la RDC, depuis 15 ans, plus de 10 millions de morts, des enfants sont pilés dans des mortiers.
des femmes enceintes qui sont violées et on les éventre, tout ça, on sort les bébés. Mais il faut voir les images, mais c'est terrible. Et Dieu est où là dans tout ça? J'ai fait une émission pour interpeller les autorités congolaises, africaines, européennes, parce que Dieu me dit qu'il faut parler aux autorités, avec le respect, il faut parler parce que c'est. Mais oui, les Écritures nous disent c'est des choses qui doivent arriver, mais il faut voir ce qui se passe en Centrafrique. Vous avez vu les troubles? Vous avez en Amérique latine, ce qui se passe partout, aux États-Unis, avec toute cette tuerie, ça va, le monde est sur une poudrière. Et même, vous savez, je vais vous dire, le ministre des Affaires étrangères polonais a déclaré il n'y a pas longtemps, en 2016, l'année dernière, que la Russie était, mes amis, pire, plus dangereuse que l'État islamique. Vous vous rendez compte? Dans les Balkans, vous avez vu les troupes qu'il y a? Les États-Unis ont envoyé plus de 3500 militaires américains avec l'OTAN. Ça va exploser. Il y a quelques années, le Seigneur m'avait dit de dire que le populisme allait prendre de l'ampleur en Europe, en Occident. Les gens, beaucoup ont rigolé. Il va y avoir des surprises en France, en Europe. Ça prend de l'ampleur. Vous avez tous ces déplacements des populations avec les histoires des migrants. Il faut faire une lecture spirituelle de ce qui se passe. Mais le monde est en ébullition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus revient. Alors, quel est l'évangile qu'on doit vous prêcher? Vous pensez que vous pouvez encore construire un petit point de coin de paradis sur terre? Mais c'est fini, ça. Le monde est devenu un petit village. Avec l'avènement de l'Internet, la téléphonie, tout ça, les avions supersoniques, c'est fini. Il n'y a plus un seul coin du globe qui soit épargné. Il y a des troubles partout. Certaines informations que nous avons des autorités qu'on ne peut pas livrer ici. Mais il faut voir ce que les autorités nous disent. Mais ça confirme les Écritures. Jésus a dit qu'il allait avoir des troubles, des tremblements de terre, des problèmes. Vous avez vu la dislocation de la famille? Vous voyez? La confusion du genre? Mais c'est une génération perverse et corrompue. Il y a 25 ans, moi je me rappelle, à Paris, il n'y avait pas autant de choses. Autant de. Mais c'est le monde va mal, on est à la fin. On va élire un président aujourd'hui, 4 mois après, on en veut un autre. Parce que ça ne va pas. Parce qu'on veut quelqu'un qui va, n'est-ce pas, changer toute notre situation économique, sociale en un clin d'œil. Mais c'est impossible. Impossible. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les lobbies qui gèrent les nations. Ce sont des groupes de personnes qui détiennent, n'est-ce pas, plus de près de 80% de l'économie mondiale. 5% de la population mondiale détient 80% de l'économie mondiale. 5% d'hommes. Des oligarques. Une oligarchie. Vous voyez? Maintenant, c'est que quel est le message qu'on doit vous annoncer? Quel est l'évangile qu'on doit vous prêcher? Doit-on vous caresser encore dans le sens du poil? Attention, Jésus revient. Et la mort nous guette tous. Si vous mourrez là, vous pensez que vous irez où? Mais vous avez affaire à l'éternité, mon ami, là. Mes amis. Quel est le message qu'on doit vous annoncer? Eh bien, le seul message qu'on doit vous donner, qu'on doit vous partager, ce n'est pas, oui, suivez Chora et vous serez guéri. Non, pas du tout. Moi-même, je le dis de plus en plus, je ne suis pas votre pasteur. Ah non, je suis une brebis comme vous. Nous sommes vos frères. Nous ne sommes pas vos gourous. D'ailleurs, la preuve, on dit aux frères et sœurs, ne cherchez même pas à avoir notre numéro de téléphone. Chacun cherche maintenant à se sauver. Quel est l'évangile qu'on doit vous prêcher? On est, selon les Écritures, à minuit. À l'horloge de Dieu, il est presque minuit, il est minuit. Même les scientifiques nous disent qu'à l'horloge atomique et nucléaire, que les scientifiques, les inconvertis, les païens, les athées, parfois parmi eux, les athées, qu'ils ont mis en place cette horloge, et ils disent qu'il nous reste combien de temps avant un conflit majeur, n'est-ce pas, global, 2030. Vous vous rendez compte? Dieu interpelle les chrétiens en se servant même des païens, des inconvertis, des gens du monde. Mais combien comprennent ces choses-là? Non, mais beaucoup, ce qu'ils veulent, c'est « Non, mais venez chez nous à la maison, on ouvre nos maisons, venez prier chez nous, on va manger ensemble. » Voilà leur évangile. Ils veulent attirer les âmes à eux et non les amener à Christ. Vous avez vu? Ils veulent le ministère plus que la relation avec le Seigneur. C'est grave. D'autres, ils sont encore là en train de chercher des pasteurs. « Non, moi, il me faut un gourou, il me faut un pasteur qui répond à toutes mes questions. » Mais c'est grave. Non. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire, mes amis, que les Écritures annoncent le retour imminent du Seigneur Yeshua. Les Écritures nous disent que, comme Paul l'a dit, que personne ne vous séduise, parce que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup, beaucoup de séduction, beaucoup. Vous avez vu le nombre de cas de cancer aujourd'hui, d'AVC? Vous avez vu? Mais c'est impressionnant. On a l'impression que tout le monde pratiquement meurt d'un AVC aujourd'hui. Vous avez vu? Pourquoi? Les soucis.
La tension. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont des problèmes de tension artérielle? La pression du monde qui s'exerce sur les gens, qui sont obligés de vivre sur, n'est-ce pas? Ils sont obligés de s'entêter, de faire des prêts sur prêts. C'est la fin. La fin de quoi? La fin d'un système. Du système politico-religieux. Du système économique actuel. Et selon les Écritures, la vérité en tant que quoi? C'est qu'il va y avoir deux avènements. Le premier, c'est l'avènement de l'impie, de l'homme impie. Et on y est déjà. On y est. Et l'impie met en place un système religieux. C'est-à-dire, il a envoyé beaucoup de prédicateurs qui vont dénoncer Babylone. Ils se disent être seuls, mais alors qu'ils sont dans Babylone, ils séduisent le peuple. Je veux dire, ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Parce que les élus, même s'ils sont un tout petit peu séduits, Dieu finit par les éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Le système impie se met en place. Laissez-moi vous dire, la plupart de nos églises sont paganisées. On a des pasteurs divorcés, remariés. On banalise le remariage dans les assemblées. On banalise l'impudicité. Le système impie va mettre la division entre les peuples. Blanc contre noir, métis contre noir, métis contre blanc, blanc contre arabe. Vous voyez, on va nous mélanger, nous mettre dans des conflits. Ça, c'est le système impie. Le système impie. Alors que nous sommes tous sur une même planète. Tous. La religion, comme disait Karl Marx, c'est l'opium du peuple. La religion de l'homme nous endort, nous caresse dans le sens du poil. Et le Seigneur, au milieu de toute cette confusion, il vient, telle cette lumière qui se lève, hein, le lion du soleil, le matin, pour nous éclairer. Et la vérité vient. Et combien vont l'accepter? Combien? C'est quoi cette vérité-là? Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité dit que nous sommes à la fin. Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité dit que chacun doit avoir une relation avec Dieu. De manière personnelle. Oui, on peut prier, on peut tous être ensemble comme ça, mais chacun, mais chez toi, qu'est-ce que tu fais? Comment vis-tu ta vie chrétienne avec le Seigneur à la maison? Est-ce que tu as le temps de prendre ta Bible, de la lire, la méditer pour vérifier tout ce qu'on enseigne, si ça corrobore les Écritures, si ça confirme les Écritures ou pas, si ça va dans le même sens ou pas? Est-ce que tu as le temps de plier tes genoux chez toi, de prier avec ta femme, tes enfants, tes parents? Chacun, ça c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Oui, les autres enseignent, mais toi qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies. C'est ce que Dieu dit, il faut vérifier. La vérité, c'est que Dieu dit dans la Bible que tu es prêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin que Chora te dise va vers le Seigneur. Tu n'as pas besoin de me consulter. Non. Pour connaître la volonté du Seigneur, tu es prêtre. L'accès au trône est libre, est ouvert. Tu peux aller directement vers le Seigneur. La vérité, c'est quoi? La vérité te dit, tu as ton salaire, eh bien, la dîme, tu n'as pas à payer un dixième à ton pasteur. Déjà, tu payes les impôts. Tu veux aider les pauvres, fais-le librement. Fais-le, tu peux le faire, mais librement. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que oui, quelqu'un te dit, j'ouvre ma maison, viens prier chez moi. Non. Là, je ne veux pas. Du racolage, là, je ne veux pas. Je prie chez moi. Je prie avec des frères et sœurs. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le Seigneur te dit, tu es établi comme un roi. En tant que roi, tu es appelé à régner, à dominer sur le péché. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, c'est quoi? La vérité, tu dis, oui, tu peux prendre autorité sur les démons qui combattent ta famille. Tu peux, quel que soit ton sexe, femme ou pas, ma sœur, tu es fille d'Abraham. Tu es fille de Dieu. Tu peux prendre autorité au nom de Jésus et chasser les démons. Tu as l'autorité en Christ. Alléluia. C'est ça la vérité. La vérité, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'être enfermé dans une retraite ou un retrait ou un séminaire pendant une semaine. Vous vous enfermez dans une villa où vous allez payer 150 euros, 200 euros pour être formé. Ça fait 15 ans que ça dure. Tu as reçu quoi? La vérité, c'est que Dieu est esprit. La vérité, c'est que si tu cries à Dieu, sincèrement, au nom de Jésus, aucun démon ne peut t'atteindre. Aucun démon ne peut te détruire.
au nom de Yeshua. Ça, c'est la vérité après, chers frères et sœurs. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça la vérité. La vérité, c'est quoi? Quand pasteur te dit chaque dimanche, tu dois répondre à l'appel. Je sais que les églises que nous avons implantées ont encore cette mentalité-là. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, donne leur autonomie, retire-toi. C'est pour ça que depuis 2012, je dis aux frères et sœurs, je ne vous ai pas rejeté, mais je vais aller au ciel. Parce que beaucoup ne comprennent pas la vérité, les choses simples. Comment pouvez-vous dire que Chora a dit, alors vous vous servez de mon nom pour dire aux frères et sœurs, j'étais avec Chora. Vous êtes avec Chora, c'est Chora qui est mort à la croix pour vous? Non. C'est Chora qui a écrit la Bible? Non. Vous avez la Bible, vérifiez. Vérifiez. La vérité, c'est que le dimanche, vous pouvez prendre vos femmes, aller vous reposer, aller vous balader dans un parc. Ce n'est pas un péché si vous n'allez pas à l'assemblée le dimanche. Ce n'est pas pour autant que vous vous traitez d'apostat. Attention frère, attention, je dis à tout le monde, à tous les prédicateurs, à tous les enseignants, ne prenez pas en otage les enfants de Dieu. Parce que vous allez vous prendre vous-même en otage. Lorsque les gens commencent à faire les choses par contrainte, ils vont finir par partir, par ne plus rien faire. Les gens sont libres. Si vous n'avez plus d'argent pour payer la salle, mais fermez. Tous les frères et sœurs, on ferme. Ne sortez pas l'argent de votre poche pour payer la salle de l'assemblée. Fermez. Pourquoi vous allez vous appauvrir pour payer des charges? Dieu veut nous simplifier les choses. Frères et sœurs, ce que je vous dis, je suis passé par là. Ne pensez pas que je vise quelqu'un parti. Je suis passé par là. Parce que beaucoup se braquent. C'est pour cela. Il faut rester simple. Beaucoup sont sortis, ne sont plus comme des enfants. À cause de la charge qu'on leur a confiée. Ils sont devenus, ils n'ont plus ce cœur d'enfant pour comprendre les choses simples, les choses élémentaires. Vous voyez mes amis, la vérité, c'est que nous sommes libres. Les frères et sœurs viennent s'assembler avec vous de manière libre. Ils ne sont pas en train de répondre à l'appel chaque dimanche. Sébastien, tu es où? Présent. Marthe, présente. Tout ça là. Elisabeth, absente. Et on l'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu? Est-ce que j'ai signé un contrat avec toi? Je suis dans une alliance avec Dieu, avec Dieu seul. Alléluia. Voilà la vérité. Voilà la vérité, frère. Alléluia. Tu es marié, tu as mis ton mari dehors et tu viens à l'assemblée prendre le micro pour prophétiser. Mais la Bible dit quoi? Si quelqu'un ne prend pas soin du sien, 1 Timothée 5:8, et principalement le soin de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Tu as mis ton mari dehors depuis des années. Tu viens prendre le micro pour chanter? Mais on est où là? C'est pas un marché? Ça commence, il faut commencer chez toi. Il faut que tes enfants soient disciplinés. Ce n'est pas écrasé, mais il faut que les enfants... Paul le dit, c'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Il faut que tes enfants soient soumis, non de manière dictatoriale tout ça aux parents, mais de manière par amour. Parce que les parents eux-mêmes sont soumis à Dieu. La vérité, c'est ça la vérité qu'il faut prêcher. Et beaucoup n'en veulent pas. Beaucoup n'en veulent pas. La vérité, vous pouvez en tant que chrétien aller aussi sortir avec la famille. Ce n'est pas un péché d'aller dans un parc, aller dans un zoo en France. La France est un beau pays, il y a beaucoup de beaux paysages. Aller se promener, ce n'est pas un péché d'aller dans un parc avec... Moi, parfois, je prends mes enfants, on va dans un parc, n'est-ce pas? On monte dans les manèges, là, ça descend, là, tout ça, on crie, oh, tout ça. C'est ça, être chrétien, ce n'est pas être un religieux, être un arriéré, être un malade. Mon fils Noah me disait, hier, il disait, papa, je veux aller dans un restaurant, manger dans un restaurant dans Paris. Comme il aime beaucoup le Japon, il veut être professeur de français au Japon. Et il y a tout ça, donc on l'encourage et je lui ai promis de l'amener au Japon, faire un tour au Japon, même si je n'aime pas l'avion. 12 heures de vol quand même, c'est, pour moi c'est un calvaire, mais pas par amour pour mon enfant de 12 ans, je veux le faire. Mais non, il me dit, papa, je veux manger dans un restaurant japonais, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc la seule semaine qui va commencer là, je vais l'amener dans ce restaurant manger. C'est ça la vérité? Vous êtes chrétien, vous êtes devenus comme des vieux de plus de 400 ans, tout ça. Et vos femmes sont comme devenues des laidrons, des mochetés, tout ça, parce que vous dites que c'est la sanctification. Alléluia. Vous, là, je parle frère de ça. Papa, nous voulons aller dans un parc, le parc Astérix, tout ça, là, c'est pas pour faire la pub de ce parc. Je dis, mais vous savez, moi, tout dans les manèges, tout ça, faire la queue à chaque fois une heure. Ils ont dit, papa, on veut y aller. Je dis, ok, pas de problème. On était là, dans la queue.
Il dit, on va monter, je ne monte pas. Vous vous montez, moi je reste là. Je vous regarde seulement. Papa, je sais bien, allez-y. Vous voyez? Les chrétiens, il y a beaucoup de sons. Non, ça, c'est la réforme. En fait, ce n'est pas la réforme, c'est la déformation. Et on dit, c'est ce chauve. Tout tombe sur moi, frère. J'ai perdu mes cheveux avant. J'ai les cheveux blancs trop tôt. Je me veux raser pour ne pas avoir la place du Seigneur. Tu dis, il faut laisser pousser les soucis. Quelqu'un crie à feu, on dit, c'est chauve. Quelqu'un dit, c'est grave, Seigneur, mais je veux me sauver. Frère, soyons sincères. La vérité. Du coup, des gens disent, ce monsieur-là qui apporte la parole, c'est qu'il est bizarre. Parce que voilà comment les gens se comportent. Et c'est à cause de ça, à cause de nous, que le nom du Seigneur est blasphémé. La vérité. Je finis bientôt, vous inquiétez pas, la vérité. Qui rend libre. Moi, j'ai vu des gens qui étaient avec nous ici dans le message, du retour de la parole, pasteurs des églises. Hein. Je vous dis, il y a des choses, beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, beaucoup ne sont pas au courant. Ils ont essayé de diriger les églises dans les maisons, ça, ils ont cassé les âmes. Et maintenant, ça va sur le net pour prêcher la vérité soi-disant. Mais attends, ils se moquent de qui? On se moque de qui? De qui se moque-t-on? Des frères et sœurs viennent me voir pour dire, frère, on était dans telle assemblée que tu as implantée, mais là, cette assemblée autonome. Le pasteur là-bas nous demandait chaque mois de donner 150 euros pour payer la salle, chaque couple. On avait la corde comme ça autour du cou. Maintenant, tu dénonces ces choses-là, ils te critiquent auprès de nous. Parce que les gens ne veulent pas de la vérité. La vérité. La vérité. Ce qu'il y a, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est tous frères et sœurs. Blanc, noir, jaune, marron, chocolat, peu importe. Nous sommes une famille. La vérité, c'est qu'à part nous, ici et là, il y a d'autres enfants du Seigneur que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas parce que vous ne vous rassemblez pas avec eux qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils ne sont pas vos frères et sœurs. Il faut les respecter. Alléluia. C'est ça la vérité. Ils aiment Jésus, oui. Ils croient que Jésus est Seigneur, oui. Ils se sanctifient, oui. Mais ce sont nos frères et sœurs. C'est ça la vérité. Je ne parle pas de l'écuménisme, je parle des vrais enfants de Dieu. C'est ça la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, Dieu vous dit de faire une œuvre. Peu importe, qu'elle soit sociale ou peu importe. Parlez-en aux frères et sœurs qui prient pour vous, qui vous bénissent. Allez faire l'œuvre. Allez faire l'œuvre. N'empêchez pas ceux qui sont appelés à faire l'œuvre de la faire. Encouragez les frères et sœurs à faire l'œuvre du Seigneur. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand vous avez des frères que Dieu suscite, des hommes et des femmes, ne les prenez pas en otage. Ce sont avant tout des enfants et des serviteurs de Dieu. Comme vous, comme nous. La vérité. Et par-dessus tout, la vérité, c'est Yeshua. On peut prêcher tout, mais la finalité c'est lui. Jésus est celui qui m'encourage. Jésus est beau. Jésus est bon. Il est bon, il est beau, il est grand, il est puissant, il est glorieux, il est plein d'amour. Jésus est à la fois lion, comme vous le savez, l'agneau. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est aussi Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas dire qu'un chiot n'est pas un chien. Vous ne pouvez pas dire qu'un chaton n'est pas un chat. Vous ne pouvez pas dire que le fils que tu as n'est pas un homme comme toi. Il a quel âge? 20 ans? C'est un homme comme toi, donc c'est un être humain. Donc le fils de Dieu est Dieu. Et comme il n'y en a qu'un de Dieu, un seul Dieu, mais Jésus est le Père. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Jean dit, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair est un antichrist. Or, Timothée 3, 1 Timothée 3, 16 dit, or, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ah oui, Jésus-Christ, c'est le Dieu. Dieu est venu en chair. On l'appellera Père éternel. Chrétien, il est temps de connaître notre Père, notre Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Les femmes qui sont déçues des hommes, vous pouvez avoir de l'amour, rencontrer l'amour véritable en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les orphelins peuvent rencontrer le Père véritable en Jésus-Christ de Nazareth. Il est tout.
et il revient. Bientôt nous allons rester avec lui pour l'éternité, vous rendez compte? L'éternité. Plus de pleurs, plus de souffrances, plus de maladies, plus de barrières qui nous empêchent d'aller vers lui. L'éternité avec le Seigneur. Et on va voir son visage tel qu'il est. On verra ses yeux, on verra ses cheveux, on verra le pan de sa robe. Frères et sœurs, on va caresser ses pieds. On va être dans ses bras d'amour. Seigneur, mon Dieu, merci, papa. Oh, alléluia. Oh, il est là ce matin, il est là pour guérir nos cœurs malades. Il est là, il restaure sa présence. Il est là maintenant, Seigneur. Sa présence guérit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, il y a quelque chose ici. La gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons retrouver nos frères et sœurs décédés qui nous ont précédés dans le royaume céleste, frères et sœurs. Nous allons retrouver nos pères, nos mères. Nous allons retrouver nos frères et sœurs. Nous allons retrouver des enfants au ciel, des grands-parents, des grands. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez la gloire de Dieu qui est ici, là. La puissance de Dieu qui vient sur toi. Dieu vient fortifier ta foi. Alléluia. Il y a des guérisons que Dieu opère dans vos cœurs. Ce matin, pendant que je dormais, Dieu m'a donné une vision. J'ai vu des scorpions. J'ai vu des bêtes sauvages qui venaient pour me piquer. Frères et sœurs, il y a une chèvre toute noire qui fonçait vers moi. C'est le diable. Mes amis, le Seigneur m'a déjà mis un instrument dans ma main droite. Et j'étais en train d'écraser ces bêtes sauvages. Et j'ai compris, c'est ici à Toulouse, mes amis. La puissance de Dieu vient écraser la puissance de l'ennemi. Brisez la maladie, brisez la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Jésus de Nazareth a une onction ce matin. Il y a une onction ici, là, mes amis. Là. La puissance de Dieu. Alléluia. Oh Dieu, l'amour de la vérité que tu as reçu. Tu ne vas pas le perdre, cet amour-là, tu l'as reçu de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a mis cette vérité dans ton cœur. Ce n'est pas un homme qui te l'a révélé. Tu étais chez toi, Dieu est venu te voir. Pendant que tu priais, Dieu t'a dit cette parole est la vérité. On veut que tu la lâches, mais tu ne vas pas l'abandonner. Tu ne vas pas la délaisser. On va te chasser, on va te calomnier. Mais Dieu dit, ma fille, mon enfant, mon fils, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai oint. C'est moi qui t'ai établi. C'est moi qui t'ai appelé. Et tu annonceras ma parole à mon peuple. Au nom de Yeshua, tu annonceras ma parole à mon peuple, ma fille. Oui, Dieu va toucher des membres de ton pays, des membres de ta famille. Dieu parle à ton esprit. Quand tu te couches dans ton sommeil, Dieu t'a donné des visions, des songes. Dieu t'a donné des prophéties que tu as reçues. Dieu te dit, souviens-toi quand tu t'es converti, comment mon esprit te parlait, comment je te parlais en songe, en vision. Ce que tu as reçu en vision, tu ne veux pas s'accomplir. Mais toi, demeure dans la sanctification. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Jesus. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il y a des chaînes que Dieu brise ce matin. Des chaînes de la condamnation. Des chaînes de la maladie. Des chaînes de la maladie, le diabète. Quelqu'un ici, Dieu l'a guéri du diabète. Dieu ne verra plus cette maladie. Le diabète a disparu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Merci, Père. Waouh. Waouh. Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique. Le Seigneur te dit, tu as ce flambeau dans ta main. C'est pour éclairer les gens, pour éclairer les autres. Et c'est pour cela que tu vas marcher pour moi, ma fille. Tu vas marcher pour moi, tu vas marcher pour annoncer, pour crier comme une véritable messagère de la part du Seigneur. Le Seigneur te dit que cette vision que tu as reçue là, cette vision, cette mission, c'est une mission que tu as reçue. Oh, alléluia. Il y a des personnes ici qui ont reçu une mission de la part du Seigneur là. Alléluia. Et une mission, et tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir parfaitement. Car c'est Dieu qui a mis cette semence dans ton cœur, qui a mis cette vision dans ton cœur, dans ton âme. Elle est là, cette vision-là. Elle est là. Elle est plantée comme une graine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous t'aimons. Oh Dieu. You are holy.
Dieu. Oh Père, t'adorer, Jésus, l'amour de ma vie. Père, je t'aime tant, Seigneur, oh Dieu, je t'aime, mon roi, je ne lâcherai. Tu arrives pratiquement à la fin de ta course, car bientôt l'église va être enlevée. Ne baisse plus les bras, ne perds pas courage. Tu pries pour ta famille, pour la conversion des membres de ta famille. Tu es là. Le Seigneur dit, ma fille, j'ai entendu. Le Seigneur va toucher ce cœur dur, ce cœur de pierre. Cette personne, tu as présenté sa vie, tu as présenté son cas au Seigneur de gloire. Dieu te dit, mon enfant, j'ai entendu ta prière et je veux visiter cette personne. Le Seigneur dit qu'il va la délivrer, qu'il va soigner son cœur, que Dieu va rencontrer son cœur. Son cœur était beaucoup blessé. Dieu va rencontrer cette personne au nom de Yeshua. Dieu t'a attiré ici ce matin pour te dire qu'il te connaît personnellement. Qui t'a choisi, qui t'appelle, fais-lui confiance, Seigneur, merci mon Dieu. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Plus tu souffres à cause de ce nom, plus le Seigneur va te couronner. Tu paies le prix pour la conversion de ta famille. Tu paies le prix pour le couronnement, pour la couronne que le Seigneur t'a réservée au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit, ne cherche pas ce que les hommes te comprennent. Moi, je te comprends. Moi, je te connais. Je t'aime. Je t'aime et je t'aimerai encore, mon enfant. Il te dit qu'il n'a jamais été compris. Il a été rejeté par les siens. Cette solitude dans laquelle tu es, c'est moi qui l'ai permis, je l'ai permise pour pouvoir te façonner, pour te tailler, pour que tu sois plus dépendant de moi. Je veux que tu dépendes totalement de moi, de mon esprit. Et le Seigneur veut te conduire comme du vent. Il peut te faire changer de direction à tout moment. Et on ne va pas te cerner, te comprendre. On va te traiter de fou, de folle. Mais accepte cela. C'est le prix à payer. Car je t'aime. Plus Dieu t'aime, plus les hommes vont te haïr, te dit le Seigneur. Plus je t'aime, plus mon esprit se révèle à toi. Plus mon esprit révèle ma parole à ton cœur, plus l'ennemi va t'attaquer. Et Dieu le permet pour que tu sois humble dans sa présence. Au nom de Yeshua. Oui, tu es fatigué de parler. Oui, tu es fatigué de dire les mêmes choses. Et les gens ne veulent pas comprendre. Ça veut dire continue à prier. Continue à parler. C'est une semence que tu plantes. Et ça va germer au temps de Dieu.